Ça va bien. Vous allez bien? La voix est très bien. Maître, ça va? Vous allez bien? Vous travaillez ici? La santé, pour quitter chez soi et être là aujourd'hui avec nous.
écouter certainement, comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le Conseil pour les ressources culturelles, parce qu'il faut attendre, mais ne maîtrise pas très bien le paysage, mais surtout moi, quand même, les ressources culturelles, c'est économique, sociale et culturelle. Et si tout se passe bien, avec les référendums prévus, ça va changer un peu de nom. Au lieu que ça soit Conseil économique, social et culturel, on va donner un avantage. D'État à la communauté, il est temps que l'État malien pense à l'instauration d'un service consulaire qui établit tous les actes administratifs à Montréal. Merci beaucoup pour l'honneur. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le public d'avoir bien voulu faire une placement. Je remercie également le Bureau du Haut Conseil des Maliens du Canada pour la mobilisation, l'ambassade aussi pour l'organisation. Et je remercie surtout la délégation, M. Yacouba Katibé et sa délégation, d'avoir bien voulu faire le déplacement sur le Canada. C'est bien la première fois. Nous sommes vraiment très heureux et nous tenons vraiment à vous remercier. Moi, ma question, je me présente aussi, je m'appelle Omar Tal, je suis informaticien, ancien président du Haut Conseil des Maliens du Canada, ancien président aussi de la commission électorale d'ambassade, qui est démembrement de la CENI au Mali. C'est un peu ça. Mais ma question, c'est vraiment le problème de gouvernance au Mali. Je sais qu'il y a d'autres problèmes, mais ce qui me préoccupe, c'est le problème de gouvernance au Mali. Parce que souvent, nous avons le sommet coupé par des problèmes de corruption. Alors qu'au Mali, il existe, si je ne me trompe pas, 5 structures qui luttent contre la corruption. Dans chaque ministère, il y a une inspection, il y a la CASCA, il y a le contrôle général de l'État, il y a l'OCLEI, il y a le bureau du vérificateur général. Donc je ne comprends pas cette démultiplication des structures de contrôle alors que la corruption va toujours de l'avant. Donc ma question c'est vraiment ça. Si est-ce que ces structures-là collaborent ou bien comment est-ce que ces structures saisissent la justice pour que les biens qui nous sont volés nous soient rendus. Merci beaucoup. Je crois que la loi ne rétroagit pas. La loi agit pour le futur. Donc s'il y a eu une loi entre-temps qui a porté le nombre d'années d'ancienneté à 13 ans pour pouvoir avoir ton pension, en principe, ça ne devrait pas concerner ceux qui avaient déjà 10 ans et qui avaient quitté. Et là, on a beaucoup de résistance à ce niveau. Il sait qu'il n'y aura pas. Mais il y a aussi Abiga 2 francs, Abiga 4 francs, Abiga 1 franc. Il y a un temps pour qu'il y ait 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 un temps. Regardez les Camerounais, ils sont 6 000. Les Camerounais sont 6 000. Mais Allah t'a dit qu'il y ait un temps pour qu'il y ait un temps. Il faut mettre sur 6 000 personnes. Allez, ben 2 $, 2 $. On sait qu'à tous les sacs à la station pour moi. Mais on est du rire. On a déjà 6 000. Mais on y a quelqu'un de tout dit. Parce que ça va là, on a franonga. Au conseil, on a franonga en haut de là. J'ai proposé le même problème à l'ambassade. L'ambassade m'a contacté. Ils ont demandé à ce que j'envoie les statuts et autres règlements à leur niveau. Oui, on est enregistré au niveau du bureau provincial du Québec. On est statut de fond de moi. Ils m'ont envoyé quelqu'un, une autre maintenant. Après tout, il y a des gens qui ont fait un peu de pire. Mais moi, je suis un peu de pire. Parce qu'il y a des gens qui ont fait un peu de pire. On a dit que j'habitais, on a fait un peu de pire. C'est vraiment un peu de pire. On a fait un peu de pire. On a fait un peu de pire. On a fait un peu de pire. Il va falloir diviser et retourner un seul peuple, un seul but, une seule fois. On a vraiment besoin de ça. Ça, c'était mon premier problème à évoquer. Je m'excuse si j'ai été un peu long. Le deuxième, c'est vraiment, tout simplement, Agatha faut assimiler. Non, c'est très sérieux, mais il n'y est pas parce que, en bébant beaucoup de boulot, en me faisant une
Il fait un arme de bébé, mais il est un peu. On fait la politique pour deux raisons. Soit par conviction, ou se faire de l'argent. En taille, il est bien. Mais il y a des gens qui ont fait la chrétienne. Il y a des gens qui ont fait la chrétienne. En taille, oui. On le fait par conviction ou on est en train de le faire pour se faire de l'argent. Présentement, c'est la conviction qui prime sur vraiment l'autre côté. Obina quoi fait? Nanya jotman obina. Mais présentement, Mali Dembe Mokoulabi. C'est ce que j'avais à dire. Je m'excuse si j'ai dit. Aujourd'hui, vous êtes venu au Canada pour venir collecter les requêtes maliennes résidant au Canada. Suivant votre expérience de cette journée, qu'est-ce que vous en pensez de cette journée, s'il vous plaît? Bien, je rappelle tout simplement que nous sommes dans le cadre du recueil des attentes indigènes des problèmes de la société civile de façon générale, conformément aux dispositions de la Constitution. C'est tout que chaque année, le Conseil économique, social et culturel va faire des recueils annuels. Ces recueils annuels préalables demandent des tours. Il y a différentes structures, tant au niveau national qu'au niveau international. Voilà, au niveau international, c'est ce qui nous a amené dans plusieurs pays, soit en Europe, soit en Asie, et soit en Amérique. L'année dernière, nous étions aux États-Unis où nous avons réactionné quatre États, avec certains États arrivés au niveau de Washington. Ensuite, nous étions à Philadelphie, en Géorgie, précisément Atlanta, et finir par New York. Et tout comme ici, nous avons également entamé cette année, c'était les juin de l'année dernière, et on n'a pas tout. Mais cette année, Dieu merci, nous sommes parvenus à avoir des visas pour les membres de cette mission. Ce qui fait que les programmes qui ont été établis, c'est sillonné en tout cas. 5 structures, sinon 5 localités au niveau du Canada. Et on commence par Ottawa, la capitale, ensuite Montréal, et nous allons continuer. Aujourd'hui, nous étions avec l'État de Montréal. Ce que j'ai retiré, c'est que les gens étaient là pour une première fois d'abord comprendre, dans la plupart des cas, quelle est la mission, le rôle même du Conseil économique, social et culturel. Alors, de par ces recueils également que le Conseil est appelé à formuler, quels sont les suites réservées par rapport aux préoccupations qu'on a. Alors, aujourd'hui, savoir également ceux qui sont là. Ils sont loin du pays, mais ils ont beaucoup de soucis pour les pays, surtout la situation que nous vivons depuis un certain temps. Alors, est-ce qu'il y a espoir? Et ils ont des propositions également dans le cadre vraiment de la contribution au développement économique, social et culturel. Ils ont eu à faire des propositions. Bref, nous avons été vraiment enchantés. Une rencontre qui était prévue pour 10 heures, je peux dire que nous sommes pratiquement à 3 heures. Ça veut dire qu'il y avait l'engouement, il y avait des préoccupations à poser. On avait besoin également tantôt des informations pour pouvoir être rassuré vraiment qu'au niveau du pays, tout ce qui est en train de faire, se faire aujourd'hui. Et c'est en réalité, il répond aux préoccupations de la majorité des Maliens. Donc nous ne pouvons que vraiment remercier d'abord la représentation diplomatique et consulaire, de par vraiment les réengagements et l'organisation de cette rencontre, sinon, de ces rencontres au-delà de Montréal, de ces rencontres à d'autres structures, et également la contribution du Haut Conseil des Maliens, de l'extérieur, des familles, du Haut de Montréal ici. Nous remercions vraiment tout un chacun à la fois par la contribution de qualité et également à l'assistance que nous avons vraiment besoin avec l'accueil et que nous avons vraiment à bénéficier. Nous disons merci, monsieur vraiment de cette. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est à nous de vous remercier de venir nous rendre visite déjà, qui est un honneur. Et au nom de la communauté malienne du Canada, je vous dis merci. Et je vous dis
Vous êtes toujours les bienvenus au Canada et ça nous fait énormément de plaisir. Merci beaucoup pour tout cela. Madame la conseillère du Haut Conseil, on aimerait savoir votre avis sur la journée. Est-ce que ça a été à la hauteur? Qu'est-ce que vous en pensez de cette journée? Comme Monsieur le Président l'a souligné, c'est la première fois que nous ayons la visite du Conseil économique, social et culturel du Mali qui vient nous rendre visite et prendre en compte nos préoccupations, surtout pour les Maliens du Canada. Donc c'est sûr que ça peut être une joie immense pour nous et de voir les Maliens autant dehors à répondre aux rendez-vous. Ça c'est une grande fierté pour nous. Nous remercions les Maliens pour avoir effectué le déplacement. Nous remercions également l'ensemble du comité du Conseil économique, social et culturel et le bureau du Haut Conseil des Maliens du Canada pour avoir organisé cette journée qui nous a permis de mettre en exergue toutes les préoccupations et toutes les problématiques qu'on rencontre ici au Canada et également les problèmes présentement qui sont au Mali qui nous préoccupent. Donc je suis fière de dire que je suis malienne et que mon avis compte et je suis sûre que c'est l'avis de tous ceux qui ont été avec nous aujourd'hui. Nous espérons avoir des retours par rapport aux préoccupations qui ont été mentionnées à toute l'équipe et par la suite de notre côté nous allons véhiculer ces solutions-là au niveau de toute la communauté malienne ici au Canada et nous espérons également que ça soit une première visite et non pas une dernière. Donc les avoir avec nous chaque année va nous permettre d'échelonner ensemble pour pouvoir résoudre ou en tout cas donner notre apport pour le rayonnement du Mali et pour la stabilité ou en tout cas la sécurité que nous souhaitons tous. Donc encore une fois, merci beaucoup Monsieur le Président, merci à vous et à toute votre équipe, merci à tous d'avoir effectué le déplacement et on se dit à très bientôt.